bienvenue dans ce nouveau numéro de Classe Verte. Dans une première partie, nous retrouverons Pascal pour des plantations quelque peu originales. Je ne vous en dis pas plus, on verra ça avec lui. Et dans un deuxième temps, nous retrouverons Yannick pour la taille des arbres fruitiers. Pour cette première partie, on retrouve Pascal qui va nous parler de plantations un peu originales. Oui, on va parler un peu du gingembre. Donc c'est un rhizome, vous voyez. C'est une tubercule, un rhizome, une patate, chacun appelle ça comme il veut, qu'on en retrouve dans le commerce. Donc avec ça, on peut pas s'imaginer, mais on peut faire une belle plante rustique à mettre chez nous, extérieure. Donc ça, c'est un rhizome, il faut le tremper tout d'abord dans l'eau, donc pas complètement, la partie pointue en bas, qui va faire des rejets et des racines. Un petit peu comme là. Voilà. Et une fois que c'est comme ça, après il faut le mettre en pot ou en pleine terre. Ça sent bon, hein. Ah oui, c'est le rhizome, il sort très bon. Et on va le mettre en pleine terre et qui va devenir après une plante. Une plante comme ça, il faut compter entre 7 et 8 mois. Voilà. Ça ressemble un peu à des bambous. Ça ressemble à des bambous, donc on peut s'amuser à faire nuer. On peut faire... et qui fait une fleur jaune et une fleur rouge qui est très très parfumée. Et le plus important dans le gingembre, c'est le rhizome. C'est ça qu'on mange. Donc c'est ça qu'on s'amuse à râper et... C'est la partie là. Qui a beaucoup de vertus d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, qui a beaucoup de vertus, apparemment cardiaque, vasculaire, sexuel. Il paraîtrait. Voilà. Et tout ce qu'on veut finalement. Et tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on a cette plante, est-ce qu'on peut récupérer des rhizomes pour pouvoir à nouveau le manger? Voilà. Oui, oui. Donc après, ça va développer plein de rhizomes comme le bambou, quoi. Donc ça va aller dans les gazons, des choses comme ça. Donc on récupère ça, le râper. Et puis ça, ça se mange. On peut en faire plein de choses avec. Après... Et si c'est comme le bambou, est-ce qu'il faut délimiter un petit peu le terrain où on va le faire pousser? Oui, oui, parce que je pense qu'il faut, sur une longueur, il faut peut-être en mettre 4-5, bien délimiter et puis faire une séparation. Parce que sinon, tous les rhizomes vont aller dans les gazons et tout. D'accord, ok. Mais je vous conseille d'essayer. C'est sympa. Acheter un rhizome comme ça, vous pouvez le couper en deux, vous pouvez faire deux plantes. Après, quand vous en avez comme ça, vous en faites 5-6 et ça ne coûte pas cher et ça vaut le coup d'essayer. Ah ouais, écoute, super. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Après, on a un bananier. Donc ça aussi, c'est ce qui est la mode. Bon, là, il a un peu, c'est jeune, c'est l'hiver. Donc la plante, elle hiverne. Là, ce qu'on va faire, c'est une variété qui s'appelle Banjo. Donc qui résiste jusqu'à moins 12, moins 15 degrés. Donc c'est bien pour chez nous, ça. Hein. Voilà. Donc à mettre aussi dans un gazon, mais un plant. Donc il va se développer, mais en hiver, la particularité qu'il a, le banjo, c'est que la partie centrale meurt, mais qu'il refait toujours des petits. Donc on peut diviser, c'est aussi quelque chose d'infini. Voilà, toujours récupérer les rejets, ça repart du pied et ça rejette, ça fait plein de bananiers. Mais dis-moi Pascal, un bananier, ça devient vachement grand. Oui. Ben après, si vraiment on a un hiver trop trop froid, à moins 15, moins 20, il va mourir. Mais comment il fait alors pour grandir? Parce que si à chaque fois la tige centrale, elle se meurt, comment ça fait pour atteindre des mètres et des mètres après, de hauteur? Ça fait une paire d'années qu'on a pu atteindre des températures de moins 15, moins 20. Oui. Donc tant qu'il n'y a pas ces températures très très froides, il continue à pousser. D'accord. Avec ses rejets tout le tour. Waouh. Voilà, donc... Là aussi, c'est à canaliser un petit peu. C'est surtout sur une variété banjo, celle-là. Banjo, ok. Voilà. Donc après, c'est exposition au plein soleil. Bon, après, pour faire un régime, il faut compter 3-4 ans. Donc, ça peut... Bon courage. Voilà. Donc, les arômes, qui est connu aussi. Donc, les arômes, c'est aussi... On peut faire des haies. Donc, c'est aussi un rhizome. Donc, même principe hein, dans les jardins. Ça fait des feuilles. Ça fait la grosse fleur blanche, comme ça, un peu en perroquet, comme ça. Donc, même principe. Ça, c'est mettre un rhizome, qui est à peu près la même que ça. Mettre en pleine terre, donc il va faire du feuillage et des fleurs blanches, des fleurs noires ou des fleurs jaunes. Et après, je vous expliquerai sur la fin, parce que c'est tout le même principe en hiver, comment les conserver. D'accord. Une fois qu'ils sont en pleine terre. Et ça, c'est une plante qui est originale, qui s'appelle... Ça va me revenir. Donc ça fait des fleurs bleues d'un mètre de haut. Donc, même principe, rhizome. C'est toujours des plantes à base de rhizome. Hein. Donc nettoyer tout ça, vous voyez là ça rejette déjà, ça fait des fleurs de 1 mètre de haut qui s'appelle Angelonia, voilà c'est ça, voilà nettoyer,
vous nettoyez. Et après, je vous dirai en hiver comment les conserver. Ça, c'est la même chose. Ça développe, ça développe, ça développe. D'accord. Et ça fait des fleurs de 1 mètre, des fleurs bleues qui tiennent tout l'été jusqu'à fin septembre. Ah, c'est sympa, ça. Voilà. Donc, ça peut être original aussi. Et il vaut mieux le mettre en pot, alors, du coup. On peut le mettre en pleine terre ou en pot. D'accord, ok. Voilà. Et ensuite, ben, aussi les graminées. Donc, ça, c'est aussi une petite plante qui est assez originale. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est qu'en hiver, les graminées, quand ils sont un peu comme ça, feuillage sec, il y en a plein, ils me disent « Ah oui, mais ils sont morts ». Non. C'est quand on arrive au mois de mars, donc il faut les raser. Voilà. Il faut les raser et ça repart et ça refait du feuillage vert. Donc la seule chose qu'il y a à faire en hiver pour toutes ces plantes, eh ben, c'est que ça, il faut les raser paillées. Vous mettez 10 à 15 cm de feuilles. D'accord. Pour éviter que la partie-là meure. Le bananier, il n'y a pas besoin si c'est la variété Banjo. Après, les musas, c'est un peu plus délicat. Il faut surtout bien respecter la variété. Les arômes, de même. Donc, on rase et on paille 10-15 cm et ça revient chaque année. Et d'accord. Là aussi, ça développe au fur et à mesure. Donc, et ça, et ceci, de même. Ok. Voilà. Eh bien, super. Merci pour cette partie très originale, Pascal. On retrouve quant à nous Yannick pour la taille des arbres fruitiers. Hello Yannick. Salut Séverine. Qu'est-ce que tu fais? Bah là je suis en train de tailler un figuier. Comme on est au mois de février, c'est la période idéale. Pour la taille des arbres fruitiers alors? C'est ça. Et là notre ami Joachim nous a demandé de le réduire un peu. Ouais. Pour aller chercher les fruits, que ça soit un peu plus accessible. Et éviter qu'ils montent un peu trop haut. D'accord. Là, alors là, il y a des branches dans tous les sens. Comment tu fais pour te repérer, savoir lesquelles il faut couper et Ouais, c'est ça. Il faut éviter tout ce qui est grande branche comme celle-ci. Il vaut mieux la recouper et refaire de cette branche-là une charpente. Une charpente? Oui. Ça veut dire une branche qui va grossir, comme celle-là. D'accord. Et qui va tenir des allez, branches... Allez, 7 ans de malheur pour moi. Je suis là. Et qui va tenir des branches à fruits. D'accord. Donc, parce qu'en fait, les petites, là, elles produisent pas. Si, elles produisent, mais il vaut mieux la couper parce qu'il y aurait de la production et avec le poids des fruits, elle risque de casser. D'accord. Donc on peut la couper de moitié. Il souffre pas l'arbre? Si, toujours un peu, mais là, ce qu'il y a, au mois de février, il n'y a pas de montée de sève encore. Mmh. Ça va plus commencer début mars. Et là, il y a un bon nettoyage à faire. Aussi sur le cœur, vous voyez toutes ces branches là qui vont à l'intérieur, qui ne servent à pas grand chose. Mmh. Il y aura un peu de fruits, mais ça ne sera pas l'idéal. Quoi. D'accord. Parce qu'une fois qu'il aura toutes ses feuilles, les branches de l'intérieur là, il n'y aura rien dessus. On va dire que le fruit ne pourra pas grossir. D'accord. Et toutes ces choses, ces pousses qu'on voit? Ça, on peut garder. Hein. Ça ne gêne rien. Tant qu'elles vont vers l'extérieur, il n'y a pas de souci en fait. On peut garder. D'accord. Ok. Là, il y a encore un peu de travail. Et pourquoi en février en fait? Parce que moi ça me surprend énormément, il y a encore des périodes de gel. Oui, mais c'est plus des grosses périodes comme décembre ou janvier. Février, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'attendre au mois de mars, les plantes vont commencer à débourrer, on appelle ça, à avoir les bourgeons qui gonflent. Mm-hmm. Et à faire les feuilles. Mais février, c'est l'idéal. D'accord. Même pour les rosiers, pour tout. Ok. Alors. Autre, donc, on a les fruitiers, on a les rosiers, on a quoi d'autre qu'on peut couper maintenant? Tout. On peut tout tailler, même tout ce qui est en isolé, en arbuste isolé, en arbre et en arbuste isolé. Ça veut dire qu'il est tout seul. Ce qui est tout ça, autant attendre un peu et puis tailler après les floraisons s'il y a des floraisons précoces. De d'accord, ok. Super. Ben écoute, moi je vais te laisser travailler et puis on se retrouve quant à nous dans un prochain numéro de Classe Verte. Salut. Salut.